C'est toujours intéressant, bien sûr, de voir quel sera l'écart vraiment entre le premier tour et les voitures les plus vite. C'est au-dessus des 280 km/h avant le... suivante gagne retournement sur le grand circuit des 24 heures. On sait effectivement que cette filière détection, progression, ascension vers les sommets en endurance, chère voilà qui s'impose 9e classement de les honneurs du podium. Voilà, petit arrivé avec